Tu as dit quoi? Tricycle. Si tu as ça, oui, tu peux bien faire le travail. Bien sûr. Je t'en peux rentrer. Bien sûr. C'est bouclé. Bien sûr. Un véritable influenceur n'est pas celui qui parle sur les réseaux sociaux. C'est pas un influenceur, c'est un parleur. L'influenceur, c'est celui qui est capable de changer la vie. Et aujourd'hui, nous avons une chaîne comme NCI qui est en train de changer des choses, que ce soit en matière d'information, en matière de débat de telle chaîne. Il faut que nous qui sommes les véritables influenceurs, acteurs des réseaux sociaux, on puisse les pousser. C'est important. Aujourd'hui, c'est grâce à NCI que je peux rencontrer ce monsieur-là. À regarder dans ses yeux, vous n'avez pas le bonheur qu'il a d'apprendre une telle nouvelle. Je ne suis pas de ceux qui disent, je suis de ceux qui font. Parce que chaque mois, nous avons une émission, ma vie a changé. Et nous mettons un budget de 1 à 2 millions. Chaque mois, c'est le sacrifice qu'au nom de la fondation de ma femme, nous avons décidé de faire. Et en janvier, c'est vous qui serez la première personne pour l'année 2020. Amen. Merci le général. Merci, je suis très contente. S'il vous plaît, la dernière fois quand je suis passé, je n'ai pas eu le temps de remercier Mme Ividiro, que vous êtes, et surtout M. Élisée Dengui. Vous ne le savez pas, moi j'ai ramassé les ordures de M. Élisée Dengui à l'époque. Et il a été dans mon staff maladie quand j'étais le groupe Black Islam Tam. Voilà. Ah, bon. Oui, il était au départ de ma carrière. Aujourd'hui, il est au départ aussi de ma galère qui est en train de finir. Et je vous dis merci beaucoup. Et merci surtout à M. Makoso, que je vois pour la première fois. Merci à l'équipe de NCI, du plus petit employé jusqu'à... À la tête. Amen. Merci. Amen. Infiniment merci. Alors, merci Lance, tu vas nous quitter. Merci. Vous voyez, c'est tout ça. Faut pas ça nous dire que l'émission est en train de finir. C'est maintenant ça devient doux. C'est maintenant l'émission est en train de devenir intéressante. L'émission avait fini. Oh. C'est ça, moi, qui me fait mal. Je veux me battre la saison prochaine. Là, on doit faire au moins 1h30, 1h30. Bien sûr. Ça, là, moi, je veux voir. Il y a les vrais Congos, les vrais mouvements. Non, c'est 1h30, non. Mais on doit faire au moins 2h. Moi, je veux voir le DG, M. Ange Guéhi. Applaudissez pour lui. Saison 2 de Ubi de Rochaud, là. Monsieur le DG, passons à 2h. Et puis, les sponsors, vous attendez quoi? C'est l'émission qui mousse en ce moment. Venez, c'est la visibilité. Ou bien, toi-même, ça, c'est la maman qui est là comme ça. L'élève est son maître. Papa. Yes. C'est Noël. Qu'est-ce que tu as réservé pour ta fille que je suis? Oh! Non, papa, voici Noël qui est là. Habit même, il est porté là, c'est pas pour moi. Yvie. Je suis là comme ça. Moi-même qui ai inventé la chose, tu me mets dedans. Pardonnez, mettez un son, il y a dansé pour mon papa. Le son Bokoko, là, c'est son son préféré. C'est son son préféré, Bokoko de Roga Roga, là. Ah non, mettez ça, c'est mon son. Hé, hey, mettez. Concours de danse. Non, pas du concours de danse. C'est fini. La musique était coupée. C'est fini. Ça a coupé. C'est fini. Oh. On dit c'est fini. Ok. C'est fini. On dirait aussi qu'il est tombé dans mon dos. Non, c'est fini. On enlève. Toi, il était mis là-bas. Bon,
Moi, je ne sais pas. Les loups, j'ai donné. Ça diminuer dans mon argent. Ça, ça veut dire, c'est quel genre de public, ça? Ouh, non, non, non. La vie qui est là. Hey! Oh, ripapapapa, sokorobata. Quand tu vois les billets comme ça, oh, Seigneur. Frère. Père. Père, je glorifie ton nom ce soir. Dis amen, si tu... Dis amen. Amen. Oh, Papa Yahweh. Merci pour la vie de ton fils, Makoso Camille. Dites amen. L'émission où les invités travaillent sur l'animatrice. Non, non, non. Et puis elle s'est comptée là. C'est beaucoup, c'est beaucoup, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Non, Seigneur. Faut mettre, faut oindre d'huile sa tête. Et que sa coupe déborde. Qu'il ait une vieillesse heureuse et vigoureuse. Amen. Amen. Surtout le côté vigoureux. Voilà. Ah, mes étoiles, il y a un artiste là. On dit qu'il vit en France. Oui, oui, oui. On dit les Congolais. Ah. Mais il y a un truc que je ne comprends pas. À chaque fois qu'il chante, il veut chanter, il cite le nom de deux personnes. Zézé et puis Hohoa. Je dis un jour, je le vois, je vais lui demander qui est Zézé, qui est Hohoa là. Qu'ils nous disent, peut-être qu'il fait un featuring avec eux et puis on ne les voit pas. Ou bien peut-être ce sont des milliardaires qui nous disent, nous si on va dire leur nom, ils vont nous donner l'argent. Applaudissez pour Daniel.
Donc, mes étoiles, on a Dadju. Sopalin. On a Dadju, le fils de Juna. Janana. J'aime trop son papa là. Ça, c'est ça qui est, c'est ma catégorie. Donc, son concert demain et dimanche, ne versez pas ma figure par terre. Allez remplir le coin. Jouez-vous les fans qui pleurent. Vous voyez les fans qui voient le artiste et puis... qui tombent en syncope là. Allez tomber là-bas. Versez-vous là-bas. Ambulance doit vous ramasser pour aller à la maison. C'est ambulance qui doit vous prendre. Tombez là-bas. Pleurez comme dans les concerts des stars américaines là. Parce que c'est notre star qui est là. Ouais. On n'a pas beaucoup de noirs qui percent comme ça. Mm-hmm. Donc quand Dieu nous donne les 1-1 noirs qui percent comme ça mondialement, on doit être derrière eux comme ça. Donc soyez derrière votre frère Dadju. Dadju là, il n'est pas congolais. Oh. Il n'est plus congolais, il n'appartient plus au Congo. Il appartient à toute l'Afrique. Ouais. Donc c'est notre frère, c'est notre enfant, c'est notre neveu, c'est notre grand-père qui est assis comme ça. Là, comme ça. Donc demain, samedi et dimanche, on s'en va là-bas comme ça. Ça, tu pourras terminer l'émission. Moi, je vais terminer. Le lieu, l'heure. Alors, demain, 14h, à l'Ivoire. Hôtel Ivoire. Hôtel Ivoire. Il y a un coin à côté, là. Mm-hmm. C'est la salle, là, j'oublie. Mm-hmm. Voilà, c'est à 14h. Voilà, vers la patinoire, là. Exactement. Et le dimanche? Dimanche, Sofitel. Sofitel. Le ticket n'est pas cher. L'autre côté, quoi, c'est 10 000, 20 000. Mm-hmm. T'as dit même un enfant de Yopougon, on peut descendre. Ils n'ont jamais vu Hôtel Ivoire. Ivoire Golf Club. Il y a Ivoire Golf Club. Ah non, c'est Ivoire Golf Club. Qui est samedi. Exactement. Et puis Sofitel dimanche. Et puis Sofitel le dimanche. D'accord. Mais là-bas, c'est 50 000 et puis 100 000. C'est comme zéro. Tu sais, en fait, je vais t'expliquer une mamaille. Il y a des femmes qui veulent rencontrer des bonnes personnes. Elle est jolie, mais elle habite à Popo. Dans l'art de la mamaille, tu sacrifies tes 100 000. Tu prends un ticket, viens, puis tu viens t'asseoir. Tu ne sais pas qui peut être ton voisin. C'est donc bonjour, bonsoir. Regarde, les étoiles. Tout à l'heure, je sais, pour la conjugaison, vous avez dû dire, mais elle n'a pas donné la réponse. La réponse, c'est que ça n'existe pas. On ne conjugue pas le verbe pouvoir à l'impératif. Et gardez la fin. Ils ont dit que j'étais une menteuse. Non. Elle a fait une grande menteuse. J'ai rien mis. Mes étoiles, je vous souhaite un excellent... Quoi? Joyeux Noël. Joyeux Noël. Un excellent joyeux Noël. C'est ce que je voulais dire. Je voulais dire un excellent joyeux Noël. Et sortez couverts. Gros bisous aux enfants qui me suivent, à toutes ces étoiles qui brillent dans le ciel. On vous aime. On se donne rendez-vous vendredi prochain à la même heure, 20h15. Moi aussi, j'ai fait la France. Ouais, 20h15. Sur LCI, la chaîne étoilée. C'était le Ivy de Rocho. On va se laisser avec Dadju qui va nous fredonner un petit truc. Zay, zay, oh. Yeah. Ma chérie fait des valises, on va quitter la suite. J'ai fait du bénéfice qu'on va investir en Afrique. Parce que c'est d'abord la salle, aujourd'hui je dis Dieu merci. Je vais pas arriver la carte de crédit qui est magique.